Assalamu alaikum, nous parlerons dans cette vidéo des bienfaits du magnésium. Fawaid el magnésium. Fawaid, donc c'est le pluriel de bienfaits, au singulier on va dire faida. Donc fawaid ici, el magnésium, les bienfaits du magnésium. Taqwiyat el aidam, c'est le premier bienfait. Taqwiyatul aidam, donc taqwiyat, le renforcement, ou renforcer, le verbe à l'infinitif. À l'infinitif, ou bien on peut le traduire comme j'ai fait ici, il renforce les os. Taqwiyat al-aidam, qu'on verra plus dans un article français, on le verra plus tôt, il renforce les os. Taqwiyat al-aidam, donc l'aidam, les os. Yastakhdimu al-jism, al-magnésium, libina, khalaya aidam jadida. Wa tushiru al-abhath, aidan, ila annahu, qad yahmi min faqd kathafat al-aidam. ومرض هشاشة العظام حيث أشارت الدراسات إلى أن النساء المصابات بهشاشة العظام لديهن انخفاض في مستويات المغنيسيوم. Donc ce qui signifie تقوية العظام, donc il renforce les os ou renforcement des os. يستخدم, il utilise الجسم, le corps, donc le corps utilise المغنيسيوم, le magnésium. Libina khalaya aidam, libina pour construire, khalaya ou pour fabriquer, khalaya aidam jadida. Donc khalaya des cellules, aidam osseuses, ou des cellules d'os, mais on va dire des cellules osseuses, jadida, nouvelles, de nouvelles cellules osseuses. Donc je regarde. Le corps utilise le magnésium pour construire de nouvelles cellules osseuses. Ensuite. جديدة وتشير الأبحاث donc بحث pluriel الأبحاث وتشير الأبحاث donc تشير indique qui va avec la préposition إلى إلى ici إلى تشير الأبحاث إلى أنه donc تشير الأبحاث أيضا les études الأبحاث les recherches plutôt donc qu'on traduit en français plutôt par la recherche. La recherche, ce qui englobe les recherches, c'est un terme générique. Donc la recherche, pour traduire la path, mais littéralement c'est les recherches. Donc on va dire en français la recherche. Aidan également, il est, donc tushiru il est, indique que, ennehu qad yahmi, indique que quand on a qad avec un verbe au présent, ça signifie que c'est possible, il peut. Donc il peut protéger, le magnésium peut protéger, min faqd kathafa al-aidam. Donc de la perte, faqd kathafa. De densité, kathafa, c'est la densité, l'aïdam des os, donc densité osseuse. Donc je regarde, construire de nouvelles, et la recherche suggère, où j'ai mis suggère, puisqu'en dessous il y a encore tushiru, donc en français on évite la répétition, la recherche suggère également, aïdan, qu'il peut protéger, qad yahmi, donc il peut protéger, voilà comment c'est traduit, contre la perte de densité osseuse. Donc, il peut protéger contre la perte. Yahmi, faqd, on avait, qad yahmi, min, faqd, kathafat al-aidam. Donc, min qui a été traduit, donc, contre, faqd, la perte, kathafat al-aidam, la densité osseuse. Voilà. Ensuite, kathafat al-aidam, ou un marad, hachachat al-aidam, et l'ostéoporose. Hachachat. L'aïdam, l'effritement des os, donc l'ostéoporose. Marad, l'aïdam, donc l'ostéoporose, l'ostéoporose. Haythu, acharat, donc on a encore le verbe acharat, indiquer, donc qui fonctionne avec ilay, à retenir. Donc, haythu, acharat, puisque, on peut traduire par puisque, haythu, ici, ou avec, on peut traduire. Avec et mettre un participe présent. Avec des études, diraset, avec les études, ou des études, acharat, indiquant que. Avec des études indiquant que, enna, ou puisque les études indiquent que. Tout dépend du sens qu'on veut donner. Avec des. Donc en dessous, j'ai mis avec des études indiquant que. Voilà. Haythu acharat. El diraset, il a enna, en nisa'a. Donc quand on a enna, n'oubliez pas de mettre. À la fin du mot qui suit, Nisa el Moussabet bihashashet l'aïdam, donc les femmes souffrant ou affectées, Moussabet,
مصابات افكتي او سوفران بهشاشه العظام دوستيوبوروز لديهن دونك شيزال il y a انخفاض في مستويات المغنيسيوم دونك شيزال il y a un taux de magnésium ou une baisse de magnésium ou des niveaux مستويات de magnésium bas ont de faibles niveaux donc de magnésium voilà que les femmes atteintes المصابات بهشاشة العظام دوستيوبوروز ont de faibles niveaux de magnésium لديهن donc مستويات je sais plus ce que ça disait انخفاض donc quelque chose de bas انخفاض في donc une diminution في مستويات les niveaux de magnésium voilà ensuite deuxième bienfait donc الفائدة c'est le bienfait الفائدة الثانية donc on avait vu فوائد المغنيسيوم donc فائدة ثانية le deuxième bienfait محاربة الالتهاب donc c'est la il combat ou le combat ou combattre on peut traduire par le verbe donc محاربة الالتهاب l'inflammation l'التهاب c'est l'inflammation donc j'ai mis il combat l'inflammation donc الالتهاب هو رد فعل الجهاز المناعي لأذى الذي يتعرض له الجسم فإذا كنت تعاني من الالتهاب طوال الوقت فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري لكن المغنيسيوم يمكن أن يمنع حدوث ذلك donc محاربة الالتهاب c'est il combat l'inflammation الالتهاب هو رد فعل الجهاز المناعي L'iltihab, l'inflammation, huwa rad fi'al, c'est la réaction al-jihaz al-mana'i. Donc al-jihaz, c'est l'appareil, le dispositif al-jihaz al-mana'i, mana'i immunitaire, donc le système immunitaire al-jihaz al-mana'i. Li'adha, donc la réaction à quoi? Du système immunitaire à quoi? Au dommage, l'adha, c'est tout ce qui nuit. Donc au dommage, alladhi yata'arrad lahu al-jism. Au dommage auquel fait face donc le corps. Donc j'ai traduit l'inflammation et la réaction du système immunitaire au dommage qui affecte le corps. Oui. Voilà. Si on veut être plus auquel est exposé le corps, si on veut être plus littéral. الذي يتعرض له الجسم donc qui affecte le corps, j'ai traduit فإذا كنت تعاني من الالتهاب طوال الوقت. Donc si tu souffres Si tu souffres, min al-iltihab. Donc ici, on remarque qu'on a un passé, mais c'est pour dire de, c'est parce que ça va avec ida. Donc quand on est avec ida, la plupart du temps, on a un passé. Kunta tu'ani. Donc ça signifie, ça on traduit par un présent. Ida kunta tu'ani, si tu souffres, min al-iltihab, d'inflammation, tawal al-waqt, en permanence, donc tout au long du temps, en permanence, donc. فقد يؤدي ذلك donc قد on a déjà vu قد يؤدي c'est du présent ici يؤدي donc entraîne mène à aboutit à etc cause فقد يؤدي il se peut que cela donc قد quand on a قد avec un présent il se peut que cela donc ذلك c'est cela il se peut que cela entraîne donc يؤدي entraîne il est مشاكل des problèmes donc sihiya de santé mithl amrad al-qalb tels que les maladies du cœur ou les maladies cardiaques wa iltihab al-mafasil et l'arthrite donc qui est l'inflammation littéralement l'inflammation iltihab al-mafasil des articulations al-mafasil wa sukkari et du diabète lakin al-magnesium mais le magnésium yumkinu an yamna'a mais le magnésium peut prévenir yamna'a huduth dhalika peut prévenir cela ou littéralement peut empêcher la survenance de cela que cela survienne que cela ne survienne donc il combat l'inflammation si vous souffrez d'inflammation permanente cela peut entraîner des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques l'arthrite iltihab al-mafasil le diabète sukari mais le magnésium lakin al-magnésium yumkinu an yamna'a dhalika donc il peut empêcher non c'était imna'a huduth dhalika
Donc j'ai traduit par que cela se produise ou prévenir cela. Troisième donc bienfait, donc himayat al-qalb, donc la protection du cœur ou il protège le cœur. Je pense que j'ai traduit voilà en cohérence avec le reste. Donc il protège le cœur. Himayat al-qalb. Le magnésium yusa'idu al-qalb 'ala dakh ad-dam. Donc on va lire tout d'abord le magnésium yusa'idu al-qalb 'ala dakh ad-dam. كما أن بقاء المغنيسيوم ضمن المستويات الطبيعية يقلل من فرص حدوث ضربات القلب غير المنظمة أو أمراض القلب أو الأزمات القلبية. والمغنيسيوم يعمل على استرخاء جدران الأوعية الدموية والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم ويمكن أن يساعد أيضا في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد. Donc le magnésium يساعد القلب, aide le cœur à quoi? À la dakh dam, à pomper. Dakh c'est le pompage. Donc à la dakh يساعد على, vous voyez يساعد fonctionne avec على, يساعد على dakh dam, le pompage, donc à pomper le sang. كما أن بقاء et on peut traduire tout comme, mais avec et ça passe mieux ici, comme le maintien baqa, le maintien baqa al magnésium dimn al mustawiyat, donc le maintien de niveau, on va traduire plutôt niveau d'abord, le maintien de niveau de magnésium, de niveau naturel de magnésium, ou le niveau, le maintien du magnésium à des niveaux naturels, donc j'ai traduit, et le maintien du magnésium à ses niveaux naturels. Voilà. Tabi'iyya yuqallilu min furas, donc diminue les ou réduit les, alors min furas huduf darabat al-qalb ghayr al-munaddima. Donc yuqallilu min furas huduf, donc diminue ou réduit le risque. On peut dire directement au lieu de traduire littéralement, donc diminue yuqallilu min furas, des chances ou des occasions ou des opportunités, furas huduf, de la survenance darabat, des coups, des battements. Donc c'est mieux de dire yuqallilu, il réduit le risque, min furas huduf, il réduit le risque, darabat, des battements, al qalb, cardiaque, donc des battements cardiaques, ghayr al munazzima, donc irrégulier, ou amrad al qalb, ou les maladies, donc marad pluriel amrad, les maladies cardiaques, al qalb, ou al-azamat, donc les crises al-qalbiya cardiaques, les crises cardiaques, al-azamat al-qalbiya. Ou le magnésium ya'mal ala istirkha'i judran al-aw'iya al-damawiya. Donc le magnésium ya'mal ala, donc le magnésium istirkha'i, qu'est-ce que j'ai mis, des crises, le magnésium détend directement, j'ai pas traduit, oui, détend, ya'mal ala. Donc, Yamel Ale, ça veut dire qu'il. Donc, on n'est pas obligé de traduire ça, c'est-à-dire qu'il fonctionne pour. Ou il fonctionne afin de détendre. Yamel Ale, ou il joue un rôle dans la détente. Ou Yamel Ale, donc on peut traduire directement. Il détend, Istilcha. Il détend, Joudran el-Awaïe el-Demawi, il détend les vaisseaux sanguins. Donc Joudran, ce sont les parois plutôt. Il détend les parois des vaisseaux sanguins. Donc Joudran, ce sont les parois, les murs, les parois. Bon, pour les vaisseaux sanguins, on dit les parois. Et la waïa, donc ce sont les vaisseaux. Donc les vaisseaux, et demawiya sanguins. Donc la waïa, c'est le pluriel, les vaisseaux. Wi'a'un, wi'a, pour le singulier, qui veut dire donc vaisseau, ou même un récipient, comme ina'un, synonyme. Mais pour les vaisseaux sanguins, on dira le awaïa al-damawiya, ou allati yumkinu an tusa'ida, et qui peuvent donc, et ce qui peut, ou allati yumkinu an tusa'ida, et ce qui peut, tusa'ida, aider, fi khafd dart ad-dam, dans la diminution, à faire baisser, ou à baisser, ou à faire baisser, la tension artérielle. Je pense que c'est comme ça que j'ai traduit. La tension artérielle, oui, la tension artérielle, dart dem, ou yumkinu an yusa'ida, et il peut aider, et cela peut aider donc, aidan,
également في زيادة أو أوغمانتي مستويات الكوليسترول الجيد لي بون لي بون لي نيفو ici مستويات لي نيفو دو كوليسترول الجيد donc de bon cholestérol puisqu'il y a le cholestérol le mauvais cholestérol et le bon cholestérol et on veut augmenter le bon cholestérol et faire diminuer le mauvais. Donc voilà, on peut passer à la suite. Donc faïda rabia, le faïda rabia yemna, donc le troisième bienfait yemna as-souda an-nisfi. Donc il prévient ou il empêche as-souda, donc c'est le mal de tête, an-nisfi, donc souda an-nisfi c'est les migraines ou la migraine. Donc il prévient les migraines. يعتقد الباحثون أن المغنيسيوم يساعد على منع أو تقليل المواد الكيميائية التي تسبب الألم في الدماغ ويمنع ضيق الأوعية الدموية. لذا من المرجح أن تصاب بالصداع إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم. Donc on commence ici, يعتقد, donc croit, pense, qui, الباحثون, donc les chercheurs pensent, أن المغنيسيوم, que le magnésium, يساعد على, aide à, منع, donc à prévenir, أو تقليل, ou à diminuer, à réduire, تقليل, المواد الكيميائية, donc les المواد, donc c'est le pluriel de مادة, matière, substance. Ça peut être même matière scolaire. Bon, ici, ce n'est pas matière scolaire. Al-mawad al-kimiaï, ce sont les substances chimiques. Al-lati tusabbibu al-alam, qui cause, donc tusabbibu al-alam, donc la douleur, fit-dimar, dans le cerveau. Wayemna'a daiq, et il prévient la, donc le rétrécissement daiq. Al-awaya al-damawiya, des vaisseaux sanguins. Al-awaya, donc on l'a vu plus haut, al-damawiya, sanguin. L'idée, ainsi, min al-murajah, donc, n, alors littéralement, il est probable que tu sab, donc tu sois atteint, bisouda, de mal de tête, idha kunta la tahsulu, si tu n'obtiens pas tahsulu ala, si tu n'obtiens pas, ou on peut traduire ici plutôt par tu ne consommes pas, mayakfi min al-magnésium, ce qui suffit de magnésium. Donc, tu ne consommes pas assez de magnésium. Voilà. Donc, j'ai traduit, j'ai changé ici. Vous êtes plus susceptible. Min al-murajjah en tusab. Donc, vous êtes plus susceptible d'avoir mal à la tête. En tusab bil souda. Ida kunt. Je crois que c'était ida qu'on avait employé. Ida kunt, oui. Ida kunt tahsulu ala ma yakfi. Ida kunt la tahsulu. La tahsulu ala ma yakfi min al magnesium, si vous ne consommez pas suffisamment de magnésium. Voilà, donc bienfait numéro 5. Donc je mettrai tout ça sous la vidéo, donc le texte plus les traductions. Donc bienfait numéro 5. Donc al fa'ida al khamisa, donc yuqallilu min ihtimalat marad al sukr. Donc yuqallilu, il réduit donc min ihtimalat, les probabilités marad al sukr, ou les risques. On peut traduire directement, il réduit les risques de diabète. Voilà. Yuqallilu min ihtimalat, donc il réduit les probabilités ou les possibilités marad al-sukr, de la maladie du diabète ou du diabète. Voilà. Il réduit le risque du diabète, tout simplement. Il réduit le risque du diabète. Yusa'idu al-magnesium hormone et l'insuline, donc il aide l'hormone insuline, ala al-amal bishakl sahih, à fonctionner d'une bonne manière. Donc il aide à l'amel, donc à fonctionner bishakl sahih, donc d'une forme ou d'une manière sahih, d'une bonne manière, de bonne façon, d'une bonne manière, oui, d'une bonne manière. Faire hormone de l'insuline et l'hormone insuline, donc, et c'est l'hormone insuline ou et l'hormone insuline ou allali yusa'idu fil hifad, donc c'est tel qui aide à maintenir le hifad à la musawayat sukr, des taux de sucre fidem thabita, qui permet de maintenir des taux de sucre stables dans le sang. Donc thabita c'est stable, il est à la fin. Donc musawayat sukr, des taux de sucre
ou la glycémie, on peut traduire tout ça fi dem, donc dans le sang, thabita, ou des taux de sucre stables dans le sang. Fa fi ihda ad-dirasat, dans une étude, tabayyana anna al-ashkhas, donc alladhina hasalu ala magnésium, donc tabayyana, il a été démontré que les personnes alladhina hasalu ala, qui ont consommé magnésium akthar fi nidamihim, donc qui ont plus de magnésium, qui ont consommé plus, qui ont obtenu plus de magnésium dans leur nidamihim al-ridai, donc dans leur régime alimentaire. Nidam, c'est un régime, hein, système aussi. Nidamihim al-ridai, donc dans leur régime alimentaire. Aqal a'urdaten, donc ils sont moins susceptibles. L'isaba, moins susceptibles d'être affectés. Bimarad al-sukkar. Min ulaika alladhina hasalu ala kimmiya aqal, que ceux donc susceptibles d'être affectés de diabète ou de souffrir de diabète ou d'être atteints du diabète, bimarad, donc l'isaba, être atteint de bimarad sukkar, de diabète, min ulaika, que ceux qui alladhina hasalu ala, qui ont obtenu ou qui ont consommé kimmiya aqal, des une moindre quantité, voilà, des quantités plus faibles. Donc j'ai pas lu celui-ci, je vais relire. يقللوا من احتمالات مرض السكر يساعد المغنيسيوم هرمون الانسولين على العمل بشكل صحيح. فهرمون الانسولين هو الذي يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة. ففي إحدى الدراسات تبين أن الأشخاص الذين حصلوا على مغنيسيوم أكثر في نظامهم مغنيسيوم أكثر في نظامهم الغذائي أقل عرضة للإصابة بمرض السكر من أولئك الذين حصلوا على كمية أقل. Donc voilà, il réduit le risque de diabète. Le magnésium aide l'hormone insuline à fonctionner correctement, et c'est l'hormone insuline qui aide à maintenir des niveaux de sucre stables. Thabita, stable dans le sang. Et dans une étude, il a été constaté, donc, il a été constaté que les personnes qui consomment plus de magnésium dans leur alimentation ou dans leur régime alimentaire, nous avons vu, nidam al-ridai, sont moins susceptibles, donc, aqal urdaten, c'était ça qu'on avait, aqal urdaten, moins susceptibles de développer le diabète, donc, développer. C'est une donc, traduction ici. L'isaba bimarad sukkar, donc d'être atteint, ou on peut dire de développer, c'est bien de développer le diabète, que celles qui en ont moins. Min ulaika, donc, alladhina hasalu ala kimmiya aqal, que celles qui ont donc moins consommé de magnésium. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas de consommer du magnésium, c'est très très bon pour la santé. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.